Je sais pas vous, mais moi, les souterrains de la Grand Goule, pff, franchement, j'aime pas ça. Mais des forges, j'ai sorti une épée, mi-ange, mi-démon. Une épée appelée Bâtarde, et présentée par Gabriel. Salut Gabriel. Salut Gaël. Alors parle-nous de ta bâtarde. Ce type d'épée est appelé bâtarde du fait qu'elle n'est ni à une main ni à deux mains. Donc c'est ce qu'on appelle une main et demie, comme disent les anglophones. Pourquoi avoir créé ce type d'arme? Alors on a créé ce type d'arme à partir du XIIIe siècle parce qu'on avait la nécessité d'affiner les armes pour percer les armures qui étaient devenues de plus en plus épaisses. Et on a créé cette arme qui était plus maniable et du coup on pouvait l'utiliser à une main et en même temps à deux mains si besoin. Quelles sont ses principales caractéristiques? Alors donc c'est une arme qui fait 93 cm de long avec une lame de 78 cm de long et elle pèse 13... 1,3 kg. Elle pèse 1,3 kg. Parfait, donc vous trouverez en description, on a retrouvé le fabricant. Elle a une particularité parce que tu m'as dit qu'elle était plus courte. Oui, elle était plus courte que celle qu'ils ont vendue sur le site parce qu'elle est donc plus maniable et pour débuter en escrime artistique, c'est mieux d'avoir une épée plus maniable. Je te remercie. Avant d'aller faire quelques passes d'armes, tu veux bien me montrer ce que c'est une épée qui n'est pas de qualité? Oui. Donc cette épée, je l'ai achetée sur un site dont je ne me rappelle même plus le nom pour une somme de 136 euros. Et donc on peut remarquer ici qu'elle a de nombreux coups alors que je l'ai très peu utilisée. Et on peut remarquer aussi qu'elle se tord très facilement. Donc tu préfères l'autre alors? Donc je préfère l'autre, oui. Très clairement, je préfère l'autre. Bon, je te laisse aller faire quelques passes d'armes avec Louis. Tout et je fait. Te remercie pour cette présentation, Gabriel. Merci à toi, Gabriel. Merci Louis. Y'a pas de quoi. Merci Gabriel. Pas de quoi. Au plaisir. Ouais, au plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour les pouces bleus, les abonnements, vous savez comment faire. Puis si vous voulez nous aider à nous faire connaître, c'est simple. Vous cliquez en bas là, sur partager. Et puis sur vos réseaux sociaux, 3 clics. Et la communauté de la Grand Goule s'agrandit. Je vous dis à bientôt les bretteurs pour une nouvelle vidéo.